Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vais remettre un petit peu d'emphase sur le speech de Françoise juste avant. C'est vrai que l'océan, il faut voir ça comme un milieu cryptique. J'avais en son temps mes formateurs qui me disaient que ça paraît facile de compter les arbres d'une forêt parce qu'on peut les voir, mais s'il faut les compter, les arbres d'une forêt, c'est difficile. Alors imaginez d'essayer de compter les poissons sous la mer, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, les arbres sont fixes et les poissons sont mobiles. Au-delà de ça, vous savez qu'il y a un message très important, je pense que Françoise en a un petit peu parlé, c'est que sans observation, on ne peut pas avoir de prévision. Et donc pas de prévision climatique, pas de prévision sur l'état des stocks pour les années futures. Donc effectivement, on a, au-delà des aspects des problématiques de changement climatique, un gros besoin d'observation, en particulier dans les zones où l'observation se fait un petit peu moins, faute de crédit souvent, pour l'avouer, parce que c'est pas la volonté politique, elle est là. Les capacités humaines sont aussi souvent déjà en place. Moi, je parle des pays qui bordent l'Atlantique tropical, continental, africain. Et donc, on a, pour essayer de répondre un peu à ces problématiques, on a construit un consortium tripartite avec l'Afrique subsaharienne, avec deux partenariats au nord qui étaient la France et l'Allemagne, qui s'appelle le projet AWA, pour essayer de construire les fondations d'un observatoire africain, en tout cas pour la partie ouest-africaine, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et de recenser, d'inventorier et de renforcer les capacités d'expertise qu'on avait dans la sous-région. En créant une task force sur la gestion de l'écosystème marin et l'approche écosystémique des pêches, mais sans oublier la gestion marine et du littoral sous les effets du changement climatique. Donc là, je ne vais pas vous présenter, mais c'est une slide qui permet de pas faire l'inventaire. C'est un consortium assez important, il y a plus de 42 laboratoires, 14 pays et un certain nombre de clusters d'excellence qui ont rejoint cet observatoire. Il y avait une dimension politique dans l'émergence de ce projet qui était d'essayer de faire émerger ce que pourrait être la recherche pour le développement en partant du couple franco-allemand. C'est quelque chose qu'on fait parfois, en tout cas en Europe, voire d'abord avec le couple franco-allemand si ça fonctionne. Et si ça fonctionne bien, essayer de l'étendre à l'ensemble de la communauté européenne pour essayer d'avoir de la synergie et puis surtout une vraie coordination sur les projets de recherche qui sont menés parfois de façon bilatérale. Donc voilà, le projet AWA, c'est un projet intégré. Vous connaissez bien le terme intégré, mais là c'est intégré au sens large, au sens où on a une structuration en plusieurs composantes, donc la composante évidemment halieutique et l'écologie marine, mais aussi les aspects d'océanographie physique. Un troisième volet couvre les aspects des cycles biogéochimiques qui régissent le fonctionnement des écosystèmes marins. Et donc je ne vais pas faire l'inventaire, parce que j'ai un petit rappel de M. Farage, mais vous voyez que le spectre est assez large. Et surtout, les pays concernés, pour le moment, en tout cas, c'est la Mauritanie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, avec M. Lally qui est là et je le salue, mais aussi le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et des interactions très fortes avec nos amis marocains qui ont participé activement au dernier congrès à Ouar et qui ont d'ailleurs aussi étaient les invités d'honneur et ont présidé la signature de la déclaration océan-climat de Dakar. Donc c'est un projet qui essaie, comme je vous l'ai dit, de tirer parti des autres initiatives et autant que faire se peut d'être en synergie avec les autres actions. Et là, l'inventaire, je ne vais pas vous faire un inventaire, mais j'ai aussi identifié les co-bailleurs, on a les FAO avec M. Barange, mais il y a aussi des projets de la Banque mondiale, de la Communauté européenne, de l'USAID, de la GIGA. Ça, c'est un petit peu en ordre dispersé. Pour ce qui concerne la sous-région sur des stocks partagés, je crois qu'on a parfois des bailleurs qui financent trois fois le même plan de gestion sur des stocks partagés. Je ne sais pas, vous allez faire une partie, mais d'autres collègues. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire modestement, c'est surtout des observations à la mer. Alors là, je ne vais pas vous faire non plus l'inventaire, mais il y a beaucoup de campagnes
roturière et des campagnes sur le talus continental, et aussi des campagnes sur une zone qui est très importante d'un point de vue halieutique et d'un point de vue de l'écologie marine comme de la gestion du littoral, c'est la zone de 0-10 mètres où les bateaux de recherche ne vont pas et où la pêche artisanale ouest-africaine tire le plus parti des ressources halieutiques. Donc ça, c'est quelque chose dont on a parlé au RAFISMER à la dernière réunion présidée par M. Farage. Et donc, le RAFISMER, c'est le réseau des instituts africains bordant l'Atlantique. Tout à fait. Donc avec une dimension un peu plus large, sachant que nous, pour ce qui nous concerne, on travaille plus sur la commission. Donc là, ce qu'on a vu au travers de AWA aussi, c'était un magnifique forum d'échange entre des modélisateurs, les modélisateurs en changement climatique qui sont cruciaux, on en a vraiment besoin, et les observateurs. C'est pas une communauté qui a beaucoup de mal à échanger. Les observateurs partent souvent sur la complexité et évidemment les modélisateurs vont voir leur profession vers la simplicité. Mais c'est très très important, et là on a une vraie expertise des pays ouest africains quant à la connaissance de leur système et de leur écosystème marin. Donc je crois que le président Rutsch accélère un peu, mais vous voyez que le renforcement des capacités était quelque chose qu'on a essayé de travailler en particulier. Ça nous a permis de faire du fundraising au niveau de la Commission européenne, d'identifier un problème majeur au niveau du GIEC qui était la divergence sur les projections climatiques entre les observations et les simulations pour la zone de l'Atlantique tropical, ce qui a fait émerger un projet européen sur lequel on a essayé de corriger les erreurs systématiques pour avoir des meilleures projections et des choses plus fiables à présenter aux universitaires ouest-africains comme aux décisionnaires. Et aux Patrice, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soyez plus concret pour qu'on vous comprenne. En fait, très simplement, les modèles du GIEC sont, vous savez, globaux. Et après, on a des approches qui sont régionales. Le régional, au niveau de l'Afrique, de la dimension du RAFISMER, on a trois grands systèmes, le système des Canaries, le système du Lingala, le système du Golfe de Guinée. Quand on regarde les projections du GIEC en termes d'évolution du climat, avec ce qu'on observe dans la réalité sur le terrain, on voit une divergence, on voit qu'il y a un écart entre les deux qu'il faut essayer de corriger pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer et d'avoir donc des meilleures projections et donc des meilleures adaptations. Patrice, est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même avoir confiance dans les conclusions? Est-ce que ce genre de divergences sont rédhibitoires ou il faut continuer à travailler et attendre avant de tenir des conclusions sur les questions d'adaptation? Ah non, il faut pas du tout attendre. Hein. La question était ça, c'est surtout pas. Hein. La science, on est en constante évolution, on est en constante remise en question, et on est toujours dans de l'amélioration. Donc là, le but de ce projet, même si c'est 9 millions d'euros, ça peut paraître un peu simple ce que je vais dire, mais c'est de corriger les erreurs systématiques et de régler des biais. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très simple à faire, et c'est pour ça qu'on a réuni beaucoup de partenaires, dont l'INRH, qui intervient sur les impacts écosystémiques et socio-économiques. Donc je vais faire un peu plus court, parce que je sens que je suis pressé par le temps, mais voilà, c'est un projet quand même, je pense, qu'il fallait faire en motion, et qui nous a posé un problème, parce qu'on va avoir ces projections climatiques, mais en fin de projet, on aura du mal à les utiliser. Voilà. On espère bien faire émerger une seconde phase de AWA. C'est un projet qui est en train qui va se clôturer en début de l'année prochaine, en ayant identifié des nouveaux challenges, hein, toujours dans le contexte du changement climatique, mais sans oublier, comme l'a rappelé M. Farage tout à l'heure, les impacts dus à la démographie, à la surpêche, à la pêche illégale, à la pollution, les problèmes d'érosion côtière et de genre. Sans entraver le développement économique des pays ouest-africains. Patrice, vous êtes en pratique, vous êtes un chercheur, vous faites de l'observation en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est outillée pour répondre aux questions du changement climatique et pour répondre à la gestion durable des ressources? Est-ce qu'elle est outillée en termes d'observation? Répondez par oui ou par non. Je vais avoir des problèmes politiques, hein. Non. 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 Il y a des efforts qui sont faits? Il y a des efforts qui sont faits, oui. Donc, surtout au niveau humain, c'est le problème financier qui est un vrai levier, qui est un peu verrou.
je pose cette question parce que nous avons une initiative pour justement renforcer l'observation. Nous voulons renforcer l'observation et nous voulons la mettre en place pour l'Afrique, en fonction des capacités humaines de l'Afrique. Il ne suffit pas d'acheter une bouée et de l'installer en mer, il faut la maintenir, il faut aller quotidiennement pour aller collecter, il faut avoir des serveurs pour réceptionner, il faut un laboratoire pour analyser les données. Donc, il faut avoir une vision intégrale. Nous devons faire un grand effort, et c'est dans l'intérêt du monde, dans sa globalité, d'investir dans l'observation en Afrique. Donc, j'utilise cela, ce passage, pour faire un appel de fonds pour nous aider à investir dans l'observation en Afrique. Je vous remercie, M. Patrice. On aura peut-être d'autres questions à vous poser tout à l'heure. Je passe la main encore une fois. Ah, pardon. Ma,